Pourquoi Justin, vous savez, peut-être que la déclaration est sortie dernièrement, puisque j'ai quitté ce matin très tôt. En politique, c'est ce qu'on appelle le cri du cygne. Quand vous lui décochez une flèche, il va mourir plus loin, à peine à 200 mètres, mais il pousse un de ses cris, un cri guttural. Si vous n'êtes pas habitué, vous commencez à paniquer, vous mourrez. À peine vous donnez d'eau, derrière vous, il tombe, il est mort. Aujourd'hui, le pouvoir, il a usé de ces méthodes surannées, qui ne sont pas les méthodes de la démocratie. Parce que la démocratie, ça n'est pas la violence. Ça n'est pas chercher à se délecter du malheur de l'autre. Mais ça a été la méthode de Ouattara. Et nous, nous avons dit que par notre culture, nous sommes pour la voie pacifique. Nous sommes pour le débat des idées. C'est la voie que nous avons empruntée jusque-là. Et depuis un moment, vous l'avez constaté, malgré la modicité de nos moyens, nous faisons le tour du monde pour faire appel aux bonnes volontés qui peuvent nous appuyer dans cette voie. Mais les journaux ivoiriens ont dit... doit dire que ça avance. Ça avance. Les journaux ivoiriens ont dit que vous devez voir le président Gbagbo entre les vies et les mariages. Qu'est-ce que vous pensez de l'ajournement du procès? Oh, c'est eux qui... Vous savez, les journalistes, eux, ils sont toujours les plus anciens. Mais je suis là, je ne peux pas repartir sans avoir vu ma voix. Vous allez le voir. Je vais le voir. Bon, la date n'est pas encore fixée. Mais je vais le voir. Je vais le voir. Il se pourrait que ce soit dans la semaine. Puisque le gouvernement nous a fait la lettre d'invitation encore pour reprendre le dialogue politique le 27 décembre. Et moi, mon souhait serait de rencontrer Laurent avant cette date-là. Donc, je vais le voir. Et la journée du procès, qu'est-ce que vous pensez? Je pense, pour ma part, que tout le monde a vu, que Laurent Gbagbo, il avait été forcément accusé. On l'a accablé de tous les mots. Bon. Quelque part, nous-mêmes, certains de ses partisans, nous avons été incrédules. On dit, mais au fond, c'est que les gens avancent. Vous connaissez la force de la communication. Et ceux qui nous ont attaqués, c'est eux qui détiennent le monopole de la communication, les Robert Elson et tout ça. Ce qui est bleu, ils peuvent transformer ça en rouge. Donc, à un moment donné, on était habité par le doute. Mais Laurent, lui, il y a toujours cru. Puisqu'en aparté, on lui a toujours posé la question au chef. Est-ce que ça, là, c'est pour ça? Il dit non, c'est pas moi, vous pouvez me faire comprendre. Je crois que les professionnels ont travaillé. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Ils l'ont blanchi, j'allais dire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse forcément de rage. Même quand le médecin vétérinaire dit que non, il n'est pas enragé, on dit non, est-ce que vous avez vu sous sa patte gauche, vous avez vu sous sa patte droite? Mais, au vu de ce que les spécialistes du droit nous disent, nous sommes sereins. Ben Souda ne peut pas avancer plus que ce qu'elle fait. Elle ne peut pas, sinon elle va se tourner en ridicule. Voici, il s'agit par rapport aux quatre chefs d'accusation qu'on lui a imputé d'apporter les preuves. Voilà. Pour consolider ces quatre chefs d'accusation. Il y a un chef d'accusation, par exemple, les événements de Yopougon, il y a eu des tueries. Ils ne savaient pas quelles preuves apporter. Ils sont allés puiser les preuves de l'image de la violence qui s'est passée au Kenya. Donc, quelles preuves d'autres elle peut apporter? Tout le monde a trouvé que c'était ridicule et elle-même l'a reconnu. Donc, ça s'est passé. Au niveau de la marche sur la RTI, les gens ont démontré aussi qu'au moment où on parlait de marche à la RTI, les gens étaient encore vers le terre de bois. Donc les tueries qu'il y a eu à la RTI, des tueries, ce n'est pas les gens de Gbagbo. En tout cas, les juristes vous le démontreront mieux. Tout ça, c'est zéro. C'est du pipeau. Donc il n'y a vraiment rien. C'est pour cela qu'elle veut contourner ça en disant qu'elle veut faire appel de la justice, la chambre préliminaire. Mais faire appel de cette justice, elle se met en difficulté. Parce que la chambre préliminaire, avec Mme Boumendi, dans une consécution, peut prendre résolument sur elle de dire que si les blancs, on les gère. Donc, FPSR. Le FPSR. Et votre courrier pour les faire la dernière préoccupation. À Bédier, j'explique ça par cette image. Par cette image, j'ai dit tu as une bergerie. Et tu es
dans ton environnement un chien qui souvent rentre pour attraper des moutons. Mais le chien, on sait comment on peut le maîtriser. Et puis il y a un loup-garou sauvage là, qui vient se mêler à ça. Le loup là, lui il ne connaît rien. Quand tu dis comme tu peux le faire au chien, le loup il peut te couper le bras. Alors, quand il s'agit de confier la garde de cette bergerie à un de ces animaux-là, tu préfères le chien. Parce que le chien, au moins, tu peux le maîtriser. C'est l'appel que nous avons lancé. Voir est en danger. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'Ouest qu'on ravage. L'Ouest qui est aujourd'hui la région maquille. Mais au moment où je devais quitter hier, il y avait un affrontement entre les bergers peurs et puis les Maoukas. Hein. Ça veut dire que le problème de la terre, c'est un problème qui touche tout le monde, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Tous les Ivoiriens se sont engagés. Et nous avons tiré la leçon à partir du constat que nous avons fait que le FDR, ça n'est pas un parti démocratique. Ça n'est pas un parti démocratique. Et Ouattara qui a sa petite idée derrière la table, pour faire depuis le président. Alors que les dispositions de la Constitution précisent que quand tu es président de la République, il faut laisser la présidente du parti, il est toujours président du RDR. Ça veut dire qu'il veut opposer les Ivoiriens même pour qu'on s'entre-déchire. Donc nous avons dit à ces élections-là, il faut faire attention. On est en face des méchants, mais il faut savoir penser du côté de celui qui est moins méchant. Avec qui tu peux rire demain. Il faut choisir celui avec qui tu ne peux pas rire du tout. C'est l'appel que nous avons lancé. Bon, au niveau du PDCI, beaucoup de jeunes du PDCI l'ont compris. Déjà, ils posent le problème en termes d'alliance avant de venir. Nous avons vraiment des réunions de façon vraiment discrète, puisque au niveau de leur direction, le président Bébé, Guillaume Madi, ils n'ont pas encore été saisis de façon officielle. Mais nous, déjà, nous travaillons à la base. Hein, et nous avons mis en place une équipe de travail qui est en train de définir des thèmes de référence autour desquels le pouvoir va porter. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer. Et je vous le confie, le RDR aussi qui se sent complètement menacé m'a approché. Ouais, le RDR m'a approché pour raconter des histoires sur les bacs qui valissent. Oh, de tout temps, c'est les douleurs et les gens de l'Ouest qui sont toujours rapprochés, qui s'associent au processus de développement de chez nous. Oh, le Bagoué, quand il vient, il préfère toujours faire son campement et rester seul. Mais, ça veut dire que quelque part, il y a une position de force. Nous sommes en position de force et nous en sommes conscients. Mais nous ne sommes pas gonflés. Il faut y aller avec humilité et responsabilité. Quand il s'agit de l'intérêt d'un pays, on y va avec responsabilité et humilité. On n'y va pas en se gonflant de thorax pour dire que je suis le plus fort. Le plus fort pour aller où ? C'est que nous cherchons aujourd'hui que les Ivoiriens redeviennent unis, solidaires, fraternels comme par le passé. Nous avons tellement de défis à relever, il n'y a que dans ce seul esprit qu'on peut relever. Et ce que nous disons à tous nos frères qui se disent pro-Ouattara, c'est de dire, mais Laurent Gbagbo, sur une de ces photos-là, il fait ça. Il dit, ah, chacun a vu, chacun peut maintenant juger. Et que pour nous, il ne faut pas prendre le problème en termes de vainqueur ou de vaincu, mais mettre plutôt au centre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Que ce qui s'est passé à la haie, ça devrait amener chacun de nous à mettre l'eau dans son vin. C'est-à-dire que je me considérais comme le gourou, le lion qui peut dévorer tout. Hein, on vient de me ramener à ma simple dimension. Il faut que je considère que l'autre que j'ai en face de moi aussi, il a un poids et que c'est ensemble que nous pouvons travailler, c'est ensemble que nous pouvons. Merci beaucoup, président. Merci pour la présence de l'événement.